Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Le 22 avril, l'artiste solo coréen de trot Lee Chenwoo est revenu avec un tout nouvel EP qui se nomme Bright et quelque chose à côté, mais je ne comprends pas, c'est pas... voilà. Et pour l'illustrer, il nous revient avec un nouvel MV pour son titre phare. Mais avant de déplatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour, et j'ai envie de te dire générique. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le lendemain, donc le 23, je n'ai pu rien faire hier tout simplement parce que quand j'ai un seul jour de repos sur ma semaine, ben je profite de mon fils et de faire ce qu'il faut à la maison, donc je zappe complètement YouTube et je remets ça à plus tard. Vous commencez à avoir l'habitude et vous m'en tenez par rigueur et je vous en remercie encore une fois. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, ma météo du jour n'a pas commencé très bien, j'avais pas vraiment... une bonne météo quand j'ai commencé cette journée. Maintenant elle est un peu plus éclairée, un peu plus ensoleillée, donc c'est déjà ça. Si vous voyez cette vidéo sortir aujourd'hui, c'est que j'ai pu monter avant que mon compagnon et mon fils soient arrivés, ou alors j'ai essayé de négocier avec lui pour qu'il s'occupe du petit et que je puisse faire mes montages. Si pas, ben ce sera un peu plus tard dans la semaine. Allez, c'est parti, let's go donc pour le retour de l'artiste. C'est grâce à plusieurs d'entre vous que j'apprécie de plus en plus des artistes de trot. Bon, je vais juste me mettre un peu autrement parce que j'ai vraiment mal au dos. Et c'est vrai que j'apprécie de plus en plus des artistes solo de trot. J'aime beaucoup leur voix, même des groupes de ténors et tout. Franchement, je kiffe de plus en plus ça. Peut-être à cause de l'âge, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'aimais déjà ça. Donc, c'est pas trop une surprise pour ma part. On va mettre les sous-titres quand même. C'est très épuré, on dirait un petit drama. On avait un couple de personnes un peu plus âgées là, je veux dire dans la trentaine. On dirait des rencontres, de ruptures, des séparations. Ouais. De rencontre. Oh, c'est trop mignon. Oh, il est enceinte, c'est trop mignon. J'ai l'impression qu'on voit le même couple, mais vraiment dans toutes les phases de leur relation, étalées sur plusieurs années, tu vois. C'est trop cute, on voit même des souvenirs et tout. Oui, j'avais besoin. Ah, on a même des instruments traditionnels, trop bien. Water.
Et après, tu vois qu'il est tout seul. C'est triste. On a une magnifique chanson. Elle est complétée par sa voix de trot qui est assez profonde et assez authentique de l'artiste. J'aime beaucoup la chanson qui est une très très belle balade. On voit vraiment quelque chose de magnifique, comme une sorte de processus d'une rencontre avec un homme et une femme. Ils tombent amoureux, ils nouent une relation, ils vivent une vie assez douce, puis partent ensemble. Mais tu vois que à la fin, c'est la femme qui part et lui qui reste. J'aime le fait qu'on voit vraiment toute leur vie étalée sur toutes les années. On a une chanson vraiment profonde, on montre vraiment l'affection que ce couple se porte l'un l'autre. On a vraiment une sympathie. On décrit aussi des moments qui peuvent être difficiles ou désespérés dans une vie, à travers peut-être une rupture ou peut-être juste des difficultés, une malcompréhension, une communication qui se fait pas, des disputes. C'est comme ça dans un couple, tout simplement. Mais tu vois aussi beaucoup plus de moments de bonheur. Non, on a vraiment une très belle chanson, un très beau MV, et il a vraiment une voix tellement authentique et une voix tellement profonde et magnifique qu'elle t'embarque en fait dans cette histoire et t'as envie de vraiment suivre ce couple. Et tu es triste quand tu vois que cette femme perd la vie malheureusement vers la fin et que cet homme est dans cette solitude. Tu passes vraiment dans toutes sortes d'émotions à travers ce titre. En tout cas, son retour pour ma part est réussi. Le titre est composé donc de 4 titres et la version instrumentale de celui-ci. Et au niveau du visuel, vous avez tout simplement deux timbres comme des sortes de souvenirs. Lui qui est affalé sur une fenêtre comme une ancienne maison. Le titre est très joli, je trouve, en soi. On a une pelouse assez sympa, puis toutes ces petites fleurs mauves. Enfin voilà. Et vous, mes chers mélomélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié le retour de l'artiste solo coréen de Trot, si vous avez apprécié également son MV qui était quand même dans toutes ses émotions, si vous avez apprécié également le titre, si vous avez déjà écouté l'album dans son intégralité, si vous avez un autre coup de cœur sur celui-ci. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.